L'inspecteur Quercy de la police parisienne donnerait cher pour voir ça. Moi, derrière des barreaux. Et à la Bastille, surtout. Mais cette Bastille n'est qu'un cabaret. Pièce authentiquement d'époque. Mais le sang est en plastique. Pourtant, c'est quand même l'image du passé. Oh, pardon. Bonsoir, monsieur. Mais bonsoir à vous. J'aime beaucoup les images du présent aussi. Très jolie, n'est-ce pas? Très. Ma fiancée. Mes félicitations. Permettez-moi de me présenter. Je suis le propriétaire. Voulez-vous que je vous arrange une présentation dans les formes avec ma fiancée? Non, ce n'est pas nécessaire, je vous remercie. Elle m'en voudra énormément de ne pas lui avoir présenté le formidable Simon Templar. Vous êtes Templar, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Oui, je pensais bien vous avoir reconnu. Je m'appelle Quayle, Brian Quayle. C'est la vraie, mais il ne me semble pas avoir eu le plaisir de... Si, nous nous sommes vus à Rome, avec mon frère Ernest Quayle. Ah, le professeur Ernest Quayle. Oui, c'est ça, je suis en fait la brebis galeuse de la famille. Oh, je suis aussi la brebis galeuse des Templars, nous sommes donc deux. Très bien, mon vieux, asseyez-vous. Merci. Amenez un verre. Et voici Simon Templar, mademoiselle Olga. Géraldine. Enchantée, mademoiselle Géraldine. Et comment va le professeur? Oh, je n'en sais rien, mon vieux. Je ne vis pas en Angleterre. Ah. Il me juge indésirable. Oui, ma famille me verse une assez jolie somme d'argent pour rester loin du pays. Une vraie petite fortune. Vous ne devez pas avoir une vie très difficile, je pense. Si nous parlions de vous, vous êtes parisienne? Oui. Olga travaille dans ce cabaret, mon vieux. C'est une hôtesse. Ah, une autre charmante hôtesse. On m'a resté ici toute la nuit. Qu'est-ce qui va pas? Olga ne peut pas le faire sortir. Il y a un ami avec lui maintenant. Ah oui, tu parles d'un ami. C'est Simon Templar. Le saint? Qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Oh non, attendez, restez, s'il vous plaît, ne partez pas, mon vieux. Il faut que je vous parle. Quelque chose de grave? Je suis surveillé. Par qui? Par les deux hommes au bar. Monsieur Quayle, je suis sûr que vous vous faites des idées. Pourquoi? Oh, je n'en sais rien. Votre argent? Je n'ai pas d'argent. Ça fait longtemps qu'ils vous suivent? Oh, ça va faire deux jours sans arrêter un instant. Il y a toujours un de ces deux-là qui me guette à la porte de l'hôtel. Il fallait que je vous dise ça, Templar. Je commence à devenir nerveux. Olga m'a proposé d'aller faire un tour jusque chez elle pour prendre un verre. Mais j'ai peur de m'en aller. Et c'est pour ça que vous vous êtes accroché à moi? Oui, un peu. Alors je vais vous ramener sain et sauf chez vous. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Non, 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 je dois encore rester. Mais soyez tranquille, personne ne s'en prendra à moi. Je crois que vous vous sous-estimez. Prêt à partir? Oui, mais avant, nous avons encore la bouteille à finir. Qu'est-ce qui se passe? Olga n'a pas réussi à le faire sortir. Pourquoi? Je crois qu'il se méfie. Et il y a Simon Templar à sa table. Ça complique les choses. Va falloir abandonner, tout est fichu. Jamais. Alors, comment allons-nous faire? Le seul moyen d'arriver jusqu'au professeur est par son frère, ce sont les ordres. À vous deux, vous devez pouvoir vous occuper du saint. Ah oui, mais ça... J'attendrai Quayle dans la voiture. Mais au fait, où habitez-vous? À l'hôtel Miramar. Nous y allons? Oui, d'accord.
crois qu'il vaudrait mieux prendre un taxi. J'ai ma voiture juste à côté. Excusez-moi, monsieur, vous avez du feu? Oui, mais pas pour vous. Peut-être que votre ami peut m'en donner. Dites donc, vous pourriez être poli, vous, non? Allez-vous-en, Quel, ne restez pas là. Attrape Quel. Taxi. Taxi. Hôtel Miramar. Allez-y. Vite. Vite. Mademoiselle Dawson, est-ce que vous avez passé un séjour agréable à Paris? Ah oui, très agréable. J'étais au cinéma, et toute seule. Oh, c'est vraiment dommage. Oh, ils me font mal. Oh. Et je n'ai rien compris au film, en plus. C'était une vague histoire policière, mais je suis arrivée en retard et je n'ai rien compris du tout. Oh, c'est trop dommage. Ah oui. Puis-je avoir ma clé, s'il vous plaît? Ah oui, oui, certainement. Mademoiselle Dawson, pour votre séjour, je n'ai pas très bien compris comment vous l'avez gagné. Comment vous avez fait déjà? Oh, j'ai gagné comme prix au bingo. Bingo. Ah, bingo. Ah oui, ça y est, j'y suis, le bingo. Oui. Oui, deux jours gais, passionnants, enchanteurs à Paris. Qu'il disait. Et vous restez toute seule? Oh, j'ai fait la visite touristique classique, l'Arc de Triomphe et un vrai marathon au Louvre. Mais ce n'est ni gais ni passionnant. Paris doit toujours être visité avec un compagnon. Ce n'était pas inclus dans le prix. Bonsoir. Votre clé, mademoiselle Dawson. Oh. Merci. Oh, bonsoir, monsieur Quell. Oh, monsieur Quell. Une note? La vôtre. Vous êtes impertinent. Et vous? Vous êtes déjà en retard de 3 semaines. Comment osez-vous? La direction m'a prié d'attirer votre attention sur ce point. Eh bien, vous direz à la direction que je vais changer d'hôtel à la première heure demain matin. Bon, ne voyez là aucune offense. C'est simplement une question de comptabilité. J'en ai assez de Paris. Et j'en ai par-dessus la tête de ce révoltant hôtel. Je partirai demain matin. Après avoir réglé ce que vous devez, j'espère. À quel étage? Au 3e. Comme voulez-vous. Je serais très heureux de vous l'expliquer. Ouvrez la porte. Après vous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Asseyez-vous. Nous voulons voir votre frère, monsieur Quell. Mon frère? Oui. Vous voulez dire Binky? Binky. Pourquoi? Nous voulons qu'il vienne ici en personne, vous comprenez? À Paris. Il a fait dernièrement une très importante découverte dans le domaine de la métallurgie et nous voulons le voir. Maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. Vous allez prendre le téléphone et l'appeler à Londres. Qu'est-ce que je vais dire? Que vous êtes très gravement malade et que vous voulez le voir. Il ne se dérangera pas pour ça.
Oh, il viendra si vous vous débrouillez bien. Dites-lui que vous êtes aux portes de la mort, Monsieur Quell, ce qui est d'ailleurs la vérité. Vous êtes une sorte d'agent secret, hein? Prenez le téléphone. Et Binky a découvert quelque chose que vous voulez. Le téléphone, Monsieur Quell? Non, je refuse. Comme vous voudrez. Si vous ne téléphonez pas, je vous abattrai et j'appellerai votre frère moi-même. Je lui expliquerai que je suis un de vos meilleurs amis et que vous êtes mort soudainement. Je pense que Binky se déplacera jusqu'à Paris pour assister à vos funérailles. Je suis un fainéant, un ivrogne, mais je ne suis pas un traître. Vous êtes stupide. La trahison, c'est... Ne dites pas de bêtises. De toute manière, je suis sûr que votre frère viendra à Paris pour vous voir. Ne serait-ce que pour assister à votre enterrement. D'accord, je l'appelle. C'est bien ce que je pensais. Bonsoir, monsieur. Est-ce que monsieur Quell est rentré? Oui, il est rentré il y a un petit moment. Quel est le numéro de sa chambre? C'est la chambre 32. Je vais lui demander s'il peut vous recevoir. Et qui dois-je lui annoncer? Il m'attend. Signaler un meurtre. Chambre 32, hôtel Miramar. Que s'est-il passé? Mon frère, ils veulent voir Binky. Les hommes qui vous suivaient? C'est eux qui ont fait ça? Non. Qui alors? Connais pas. Mon frère a trouvé quelque... Il a... Je vais chercher un docteur. Ne criez pas, s'il vous plaît, votre vertu n'a rien à craindre. J'espère. Oh, je n'en avais pas l'intention. Vous vous cachez? Oui. De qui? La police. Pourquoi? Chut. Je crois que je devrais... Non, non. Il faut vivre dangereusement. D'accord.
Il est arrivé à l'hôtel il y a à peu près une demi-heure. Il était assez grand. Comme ça. Je lui ai demandé si je devais prévenir, il m'a dit non. Et il est monté directement. Et cet homme vous a demandé, monsieur Quell, nommément. Oui. Et il a pris l'ascenseur. Oui. Et vous êtes certain qu'il n'est pas redescendu. Mais... Alors, il est encore dans l'hôtel. Oui. Et nous allons fouiller toutes les chambres. Mais il est client. Monsieur, un meurtre vient d'être commis ici et nous allons commencer par cet étage. J'ai tout entendu. À propos du meurtre? Oui. Et vous croyez que c'est moi? Ce n'est pas vous? Ma parole, je suis innocent. Trop petit, mais ils la fouilleront sûrement. Vous voulez que je vous cache, n'est-ce pas? Ce serait charmant de votre part. Qu'est-ce que vous feriez pour moi en échange? Eh bien, je vous donnerai un foyer, des enfants, une bonne place dans la société et de très bons amis. Oh, mais je demande beaucoup moins que ça. Demandez, vous l'aurez. Eh bien, je suis venue à Paris pour y passer un séjour soi-disant gai et passionnant. Mais pour l'instant... Il est calme. Affreusement. Je vous promets que tout ça va changer, vous allez voir. Excusez-nous, monsieur, et merci. Non, ici, c'est mademoiselle Dawson, une jeune femme très tranquille et sans histoire. Oui. Excusez-nous, mademoiselle, je suis désolée. Nous recherchons un dangereux criminel. On vient de commettre un meurtre, mademoiselle. Un meurtre? Regardez dans quel état vous avez mis cette pauvre jeune fille. Oh. Allons, allons. Tiens, Templar. Oh, inspecteur Kiersey. Enchanté de vous avoir rencontré. Je suis désolé, mais je suis très pressé. Peut-être un peu trop, vous ne trouvez pas? Vous avez un rendez-vous? Oui, vous coincez la porte. Hey, un moment, s'il vous plaît. Ouais, joli travail que vous avez fait là. Vous vous êtes fait rouler comme des gamins, et encore des gamins débutants. C'était Templar, c'est pas un homme normal. Il a appris à se battre. Hein. Ah, vous me rendez malade tous les deux. Olga, va chercher une autre bouteille. Mon pauvre petit. Comment ça s'est passé avec Quell? Il est mort. Je l'ai abattu et je me suis arrangé pour que Templar y soit mêlé. Et arrête d'être aussi nerveux. Pensez que vous êtes bien payé pour rien. Je voudrais parler à Londres. Régent 3129. Régent 3129. Professeur Quell? Oui, ici le professeur Quell. Je vous téléphone au sujet de votre frère. Brian? Je suis un de ses amis intimes, mais je suis désolé de vous apprendre qu'il vient de mourir. Il y a un peu moins d'une heure. Est-ce qu'il a souffert longtemps? Pas du tout. Ah, je vois. Est-ce que vous allez venir? Oui, évidemment que je vais venir. Puis-je vous suggérer l'avion de 9h du matin? J'irai vous chercher à Orly. Oui. Très bien. Je m'appelle Jones. Oui, professeur, oui, je vous verrai demain matin. À demain. À demain. Aussi facile que ça? Oui, et demain, il nous suffira de l'emmener au château. Vous devriez téléphoner à l'Oriental, peut-être bien. Oui, bien sûr. Allô, Saul? Ça y est, c'est fait. Quell est mort. Oui, évidemment, j'en suis sûr. Je l'ai tué moi-même. Nous pourrons livrer le professeur demain, si vous avez l'argent promis. Vraiment, Marson, c'est absolument ridicule de penser que je ne peux rendre de visite personnelle à Paris sans toute cette protection. Vous êtes un homme très important, monsieur. Idiotie. Vous sous-estimez votre valeur, monsieur, si je puis dire. Mes chefs me répétaient encore l'autre jour que vous étiez le plus important métallurgiste de l'Angleterre et peut-être du monde. Et les mesures de sécurité vont impliquer quoi exactement? Je vais vous accompagner à l'avion personnellement, puis vous serez attendu à Orly par un homme du deuxième bureau qui s'appelle Larue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne me quittera pas d'une semelle. J'ai bien peur que non, monsieur. Mais en plus, je dois rencontrer des gens à Orly, des amis de Brian. Je voudrais ajouter, monsieur, que je suis désolé pour votre frère. Merci.
Je ne l'ai plus revu depuis des années. Asseyez-vous, inspecteur. Vous avez l'air fatigué. Je le suis. Réjouissez-vous, vous allez pouvoir vous reposer. Expliquez-vous. Je veux dire que quand votre grand chef aura appris vos maladresses, on vous enverra faire un long voyage quelque part. Peut-être en Nouvelle-Calédonie. Vous allez être relâché. Quand? Maintenant. Merci. C'est un vrai plaisir. Réveillez-vous. À quelle heure est-il? Il est 7 heures du matin. Grâce à cette mauvaise doublure de Maigret que voici, nous avons dû passer toute la nuit dans ce musée macabre. Je suis désolé de vous avoir causé ce dérangement. Vous devez également reconnaître que vous avez caché Templar dans votre chambre. Et vous avez fait semblant de vous trouver mal pour qu'il s'échappe. Oh, je vous en prie, ne vous excusez pas, inspecteur. J'ai apprécié chaque seconde de cette histoire. Vous quoi? J'ai adoré ça. Je suis venue à Paris pour y passer un séjour palpitant et plein d'aventures. Et jusqu'à ce que vous m'arrêtiez, il n'y avait rien eu du tout. On n'est pas en France pour rien. Comme vous dites. Eh bien, réjouissez-vous, mademoiselle. Vous allez pouvoir vous en aller. Merci, inspecteur. Et quant à vous, vous ne faites rien du tout, vous avez compris. Occupez-vous de vos propres affaires et ne vous mêlez pas de celles qui ne vous concernent pas. Au revoir, inspecteur. Le duc. Oui, monsieur l'inspecteur. Mais vous allez suivre ce monsieur Templar sans quitter une seconde de la journée, vous avez compris. Vous ferez, s'il le faut, le voyage aller-retour sur la planète Mars. Si vous vous faites semer, on vous enverra faire un long voyage quelque part. Peut-être en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant? Maintenant, je vous ramène à l'hôtel. Pourquoi? Pour vous reposer. Mais je ne veux pas. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Je me sens en pleine forme. Oh, Simon, je vous en prie, ne m'abandonnez pas maintenant. Laissez-moi venir avec vous. Très bien. Merci. Je vous promets que je ne vous gênerai jamais et que je ne dirai rien. Quelle est la prochaine étape? Se renseigner sur la femme qui était avec Brian Quell. Où allez-vous trouver ça? Au cabaret de la Bastille. Jacques, les deux hommes qui m'ont suivi hier soir, vous les connaissez? Non, je suis désolé, c'est la première fois que je les vois. Il y avait aussi un troisième homme qui est parti un peu avant eux, vous l'avez vu? Ah oui, je crois savoir de qui vous parlez. Je l'ai remarqué au moment où il s'en allait. Vous savez qui c'est? Non, mais je l'ai déjà vu une fois avec Olga. Olga, est-ce que vous pourriez me dire où elle habite? Au 17 rue de Mazon. Oh, je ne pourrais pas aller avec vous, s'il vous plaît. Je voudrais faire cette enquête avec vous. Vous voulez bien? Pour l'instant, je veux surtout que vous m'attendiez bien sagement. Oh. Olga! Olga! Allez-vous-en. Je viens au sujet de Brian Quell. Bonjour. Monsieur Templar. Que voulez-vous? Un renseignement. Je ne sais rien d'intéressant. Oh, vous pourriez en dire beaucoup plus que vous ne pensez. Brian Quell est mort. Oui, je le sais. Comment? Eh bien, je... Comment le savez-vous? Les journaux ne sont pas encore arrivés et ça n'a pas été annoncé à la radio. Comment savez-vous que Brian Quell est mort? Oh, j'ai téléphoné à son hôtel, ils me l'ont appris. Quel hôtel? Je ne m'en souviens pas. Olga, vous êtes très jolie, mais vous êtes une menteuse. Je vous jure, monsieur, que j'ai dit la vérité. Écoutez, Olga, vous allez me forcer à vous prendre sur mes épaules et à vous livrer à l'inspecteur Kersey. Oh non, non, vous ne feriez pas ça. Pourquoi pas? Ça vous changera de vous trouver dans une cellule. Vous êtes mêlée à un meurtre. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on vous soupçonne et que vous serez coupable si vous ne pouvez pas prouver votre innocence. Alors pourquoi ne pas arranger les choses pour vous-même? Dites-moi la vérité. Maintenant. Il était convenu entre nous que je n'aurais rien à faire.
À part amener M. Quayle ici dans ma chambre, et il l'aurait forcé à téléphoner à son frère à Londres. Qui l'a abattu? Un dénommé Jones. Ils veulent faire venir son frère? Oui. Pourquoi? Son frère a inventé quelque chose d'une grande importance. Il me semble que ça a un rapport avec un métal. Oh, je n'en sais rien. Quand le professeur Quayle doit-il arriver à Paris? Ce matin, à Orly, aux environs de 9h. Oh, monsieur, je vous jure que je ne savais pas qu'il ferait une chose aussi horrible. Olga, si j'étais à votre place, je m'en irais très vite. Vous ne croyez pas que je suis en danger? Je crains que si. Quittez vite cette ville. Allez à Cannes ou à Nice. Paris n'est pas très sain en ce moment. L'avion Air France numéro 509 en provenance de Londres atterrira dans 4 minutes. Il ne va plus beaucoup tarder. Non. Jones, regarde près du kiosque. Quoi? C'est la rue du deuxième bureau. Tu en es sûr? Oui, oui, absolument. Alors il va falloir que je le fasse disparaître. Ici, le deuxième bureau. Voulez-vous, s'il vous plaît, appeler M. Larue et lui demander de téléphoner chez nous dès qu'il le pourra? Merci. Attention, M. Larue. Voulez-vous rejoindre le plus proche bureau de renseignement? M. Larue, voulez-vous rejoindre le plus proche bureau de renseignement? M. Larue, s'il vous plaît. Je suis M. Larue. Ah, un moment, monsieur. Il y a un message pour M. Larue. Merci. Vous devez téléphoner à votre bureau, monsieur. C'est urgent. Le téléphone est par là. Merci beaucoup. Nous n'arriverons jamais à temps. Mais peut-être que l'avion a pris du retard. Il faut l'espérer. Excusez-moi, monsieur, vous êtes bien le professeur Quayle? Oui, c'est exact. Je m'appelle Larue, deuxième bureau. Ah, vous êtes à l'heure. Professeur Quayle? Oui. Je m'appelle Jones, l'ami de Brian. Enchanté, monsieur Jones. Enchanté. Voici monsieur Larue, deuxième bureau. Police? C'est absolument ridicule. On veut me faire croire que je pose un très grave problème. Mais peut-être que Brian vous a dit que j'étais un savant. Ah oui, bien sûr. Vous m'avez compris. Je suis venu en France régler les funérailles de mon frère. Je vous présente mes condoléances, monsieur. Il est évident que vous pouvez accompagner monsieur Jones. Merci. Ma voiture est dehors. Bien. Oui, monsieur Larue. Puis-je vous parler un moment? Oui, bien sûr. Excusez-moi, professeur. Qu'est-ce qu'il y a? Templar, il vient juste d'arriver. Comment a-t-il pu remonter jusqu'à nous? Ah, je n'en sais rien. Ou alors... Olga? J'ai du mal à penser qu'elle ait pu parler. Elle ne savait pas grand-chose. Elle savait ce que tu as pu lui dire. Tu crois?
Elle n'aurait pas osé. Renseigne-toi. Je suis désolée, monsieur. L'avion en provenance de Londres a atterri il y a 10 minutes environ. Les passagers ont tous débarqué. Merci. Que fait-on? Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à retourner chez Olga. Oh, inspecteur, est-ce que j'aurai encore conduit trop vite? Non, monsieur Templar. Bon, nous devons partir parce que nous n'avons pas encore mangé. Je vous souhaite bon courage. Vous êtes trop gentil. Au secours! Au secours! À l'aide! Oh, c'est affreux! Allez, venez. Alors, laissez-moi passer, je suis de la police. Dites, parlez-moi de mon frère, monsieur Jones. A-t-il été malade longtemps? Il n'a pas du tout été malade. Mais je croyais que vous aviez dit... Votre frère a été assassiné, professeur. Il a été quoi? Assassiné. Mais je n'y comprends rien. Non, c'est très simple. Je l'ai visé avec cette arme et j'ai pressé la détente. Vous voyez, professeur, il fallait trouver un moyen de vous faire venir à Paris. Nous vous avons négocié et votre petite tête représente pour nous 50 000 livres. Cela fait un joli paquet, professeur. Qui est là? Alain. Ouvre la porte. Tu rentres tôt, mon chéri. N'est-ce pas? Eh bien, vous l'avez trouvé? Oui. Et... Jones l'a conduit au petit château. Alors, tout s'est déroulé comme prévu? En fait, non. Templar, il était à l'aéroport. Oh, mais comment? Mais je ne sais pas comment. On lui a tout raconté. Alors, je me suis posé cette simple question. Qui a bien pu le lui raconter? Ça ne peut pas être Peter, ni Jones. Ça ne peut certainement pas être moi. Alors, qui donc? Il y a un mystère dans cette histoire. Alors, je me suis simplement demandé qui d'autre était au courant. Et soudain, la réponse m'a sauté aux yeux. Ma chère Olga savait tout. Et d'un jour à l'autre, ma chère Olga est devenue riche. Très riche. 3000 francs tout rond. Alain, écoute-moi. Non, laisse-moi deviner. Une riche tante, peut-être. Non, c'est impossible. Olga n'a jamais eu de tante. Son papa? Sa maman? Mais non, Olga est orpheline. Alors qui? Qui donc a bien pu faire cadeau à ma petite Olga de 3000 francs, hein? L'explication est très simple. Elle a parlé. Non, Alain. Pour 3000 francs, elle a ouvert sa porte à monsieur Simon Templar. Et elle a parlé. Non, Alain, je te jure que non. Non, 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 non. Attendez-moi, j'en ai pour 5 minutes. D'accord. Thank you.
faire ici? N'ai pas pu faire autrement, mais là avec le professeur. Ah, d'accord. Allez, venez. Allez, venez. Calme. Et avancez. Allez. Allez. Alors, vous lui aviez dit de quitter Paris. Pourquoi? Je craignais qu'elle ne soit en danger, et je crois que mes craintes étaient fondées. Pourquoi restez-vous ainsi près de cette porte? Où désirez-vous que je me tienne? Loin de la sortie. Allô? Oui, merci. La voiture de M. Templar a été découverte, abandonnée sur une nationale près d'Épernay. Alors, je vais la rechercher. Non, vous restez avec nous. Kersi, ne faites pas l'idiot, vous savez que je ne suis pas un meurtrier. Je ne vous ai pas accusé d'avoir tué cette pauvre femme. Merci. Mais je vous accuse d'être directement responsable de la mort de différentes personnes. Non, je vois que vous connaissez toutes les finesses de la langue française. On vous voit avec Brian Quell et quelques instants plus tard, il est assassiné. Vous allez à Orly pour parler au professeur. Et un des meilleurs agents du deuxième bureau est retrouvé abattu dans une cabine téléphonique. Vous donnez 3000 francs à cette fille, on la retrouve étranglée. Ça fait beaucoup de coïncidences. Oui, en effet. Par simple mesure de sécurité, je me vois obligé de vous arrêter avant que la moitié de Paris ne se fasse assassiner. Je dois avouer que je vous comprends, car si je restais libre, vous perdriez votre place. Oh, inspecteur, j'ai découvert quelque chose. Quoi? Regardez, sous le lit. Mais quoi donc? Voyez. Où ça? Je ne vois rien, vous apercevez quelque chose, inspecteur? Non, mais pas du tout. Mais de quoi parliez-vous, Templar? Templar! Attendez! Désolé, Kersi, c'est une simple mesure de sécurité. Pauvre idiot! Imbécile! Je vais devenir la risée de toute la ville de Paris. Monsieur l'inspecteur, comment pouvais-je me douter? Il s'est échappé dans une voiture de police sous mon nez. Il faut que vous préveniez toutes les patrouilles que nous avons dans la région. Nous savons qu'il se dirige vers Épernay. Et un moment. Attention. Zut. Il faut nous procurer une voiture pour le poursuivre. Et quand j'aurai mis la main dessus, je prendrai un fouet. Je vous le promets de le frapper jusqu'au sang. Voilà. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Allez, vite. Téléphonez, trouvez-moi une voiture. Oui, monsieur l'inspecteur, j'y vais. Oh, 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 le crétin. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner un renseignement? Ce château-là doit se trouver dans la région. Ah oui, c'est le château de Belleville, sur la route nationale. Environ une demi-heure d'ici, vous ne pouvez pas le manquer. Merci. Dommage pour Mademoiselle Dawson, pas vrai, Alain? Oui, c'est dommage. Comment la trouves-tu comparée aux filles de Paris? Trop froide. Elle n'a pas assez de, comment dirais-je, de piment. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je ne vais personnellement rien faire de vous. Vous allez être emmené par un hélicoptère qui vous déposera sur un sous-marin qui vous attend quelque part en mer du Nord. Qu'allez-vous faire de Mademoiselle? Qu'allez-vous faire de moi? Je ne porterai pas la main sur vous. Bien que ça ne soit pas l'envie qui m'en manque, vous allez rester ici indéfiniment. Écoute. Ah, nos amis sont arrivés. Et ils sont vraiment à l'heure. Peter ! Oui ? Et voilà. Il m'a semblé entendre. On
rien dans 10 minutes. Fais attention. Je vais veiller sur les prisonniers. Peter. Il faudrait une barre de fer. Regardez, là. Comment nous avez-vous trouvé? C'est une longue histoire. Est-ce que l'hélicoptère s'est posé loin d'ici? Non, malheureusement. Ils vont revenir dans quelques secondes. Non, cette pierre est dure comme de l'acier. Ils ont tué le gars. Ils vont devoir répondre de 3 meurtres. Espérons qu'il n'y en aura que 3. Est-ce que cela commence à se détacher? Je crois que je n'ai rien fait. On a dû éliminer le frère de... Qu'est-ce qu'il y a? On avait laissé quelqu'un ici. Regardez. Peter? Où est-il? Ça, je n'en sais rien. Écoutez, si jamais cela a mal tourné, j'ai apporté 50 000 livres. Je sais, taisez-vous. Voyons, ne faites pas de bruit. Peter! Peter! Relâche, Quel. Montez, professeur, et ne tentez rien, on n'a pas de temps à perdre. Jones. Regardez, il est là. Dupré, par là. Cette fois, Templar, vous avez été un peu trop loin. Vraiment, inspecteur? Oui, vous me volez ma voiture. Tout Paris me considère comme un pauvre guignol. Alors je veillerai à ce que vous soyez l'invité du gouvernement pendant 20 ans. Mais je vous apporte tous vos criminels sur un plateau. Vous allez rester si longtemps dans une cellule que vous... Vous quoi? Je vais vous présenter les principaux personnages de notre drame. Notre ami l'Oriental, qui intéressera énormément votre deuxième bureau. Et ces deux autres, à gauche et à droite,
qui sont responsables de la mort de Larue, Olga Géraldi et Brian Quell. Et voici le frère de Brian Quell, le professeur Quell. Enchanté, inspecteur. Monsieur. Et vous, monsieur l'inspecteur, vous avez résolu cette affaire entièrement seul et vous en recueillerez bien sûr tous les honneurs. Ah oui. Et vous avez aussi offert à mademoiselle Dawson un surprenant mais passionnant premier séjour à Paris. Ah, oh, ça a été formidable. Mais Simon, il manque encore une toute petite chose. Ah, quoi donc? Ceci. Venez, le duc.